m'appelle Fanny Bizio, je suis coincée pris dans un dommage et ça fait 8 ans que je travaille. Je travaille aussi pour Diane Neige. J'assure les formations initiation à la conduite d'engins de damage. Et on fait aussi du perfectionnement, des formations Treuil et des formations Espace Ludique, Snowpark. Le métier de chauffeur, c'est essentiellement un métier de travail de nuit, sauf quand on fait la préparation du domaine avant l'ouverture et quand on s'occupe de la fermeture. Nos horaires sont en poste du soir 17h-31h et en poste du matin 2h-9h30. Notre rôle, c'est aussi de sécuriser le domaine, où là on rentre en compte les pisteurs avec les déclenchements d'avalanches. Nous on est là pour faire du transport de personnel, du transport d'explosifs, pour réouvrir soit des routes, soit des pistes après déclenchement si jamais c'est descendu jusqu'aux pistes balisées. Les contraintes de ce travail restent les horaires de nuit forcément, avec les conditions météorologiques que vous pouvez voir ici. Alors, il y a deux types de machines sur un domaine skiable, il y a les machines standards et les machines à Treuil. Il faut savoir qu'un domaine skiable, une fois la fermeture des pistes, il est interdit à tout public. Il y a un très gros risque d'accident et on peut s'en rendre compte cette année avec tous les accidents qu'on a pu avoir en station, que les machines à Treuil, c'est mortel, que si on est là, c'est pour votre plaisir et que le fait d'avoir des skieurs, des lugeurs, des vélos, des trottinettes, des gens qui courent et tout ce qui s'ensuit sur les domaines skiables une fois que ça a été fermé par les pisteurs, c'est vraiment un risque énorme pour vous, mais aussi pour nous, parce qu'on redouble d'attention dans ce travail, mais encore plus en sachant que vous êtes dans les parages.